بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مدام مسيو شيخ مرحبا بكم، merci de rejoindre شيخنا الجزائري et d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Docteur Johri, مرحبا بك. Et nous mettons à votre disposition le numéro 00213 21 23 98 91 00213 21 23 98 91 pour nous appeler, poser vos questions, ainsi qu'un email avisreligieux@gmail.com. Nous recevons vos emails directement aussi et nous y répondons, inchallah. Donc nous attendons vos appels et vos emails en même temps. Docteur Doré, nous commençons par les emails qui ne sont pas venus par email. Oui. Donc la première question, nous souhaiterions savoir si une femme ayant été mariée à un homme pendant 2 ans et après plus de 3 ans de séparation physique, elle est partie se réfugier dans un foyer de femmes battues, peut célébrer une nouvelle union religieuse même si le divorce n'a pas encore été prononcé. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Du moment que le divorce n'a pas été prononcé, elle est toujours liée à cet homme. Elle restera son époux jusqu'à ce que le juge prononcera, inshallah, le divorce. Alors, elle ne peut pas contracter un autre contrat de mariage. Elle est suspendue, on va dire, jusqu'à ce qu'il y ait ce jugement-là de la part du juge. Non, c'est-à-dire elle n'est même pas... qu'ils sont en instance de divorce, bien sûr, mais elle ne peut pas contracter, elle ne peut pas faire un autre contrat, même que ça soit un contrat qui n'est pas signé ou à la mairie, qui n'est pas inscrit à la mairie. Même que ça soit la fatha, comme ça, l'urfiya, le fatiha, l'urfiya, elle ne peut pas la faire. Parce qu'elle est considérée toujours mariée, liée à cet homme. Et puis même après la prononciation du divorce, elle observera une période de viduité qui va s'étaler sur 3 menstruations, à peu près l'équivalent de 3 mois environ. Ouais. Mais elle n'est pas obligée de rester à la merci de son mari. Elle pour attendre qu'il prononce à sa guise. Non, mais elle peut procéder. Elle est en instance, elle dit, elle a demandé l'annulation du mariage et il lui a été refusé au profit d'une divorce, d'une procédure de divorce. C'est la suite de la question. Elle est dans une procédure de divorce, elle doit attendre, elle est obligée, Allah ghalib. Non, voilà. Non, elle est clair. Obligée. Oui. Elle est obligée d'attendre. Elle est obligée d'attendre. J'ai pas lu le jugement, voilà, la prononciation pas du divorce. J'ai pas lu le du juge. Deuxième partie. D'accord. Ma mère est en clinique depuis 3 semaines et m'a dit que parfois, lorsqu'elle accomplit ses prières, elle ne prend pas tout le temps qu'elle voudrait. Ouais. En effet, il y a des fois le personnel, que ce soit médecin, agent d'entretien, qui entre dans la chambre et peuvent tomber sur ma mère qui fait sa prière. Est-ce grave si elle ne prend pas le temps qu'elle a l'habitude de prendre à la maison pour accomplir ses prières ou pas? Et si c'est le cas, que faire? C'est-à-dire qu'elle est gênée. Elle est gênée par la vue des hommes, peut-être. Quand elle se courbe ou là, quand elle se prosterne, etc. Oui, il est préférable que cette femme-là fasse peut-être un petit rideau comme ça pour faire sa prière. Mais sinon, s'il y a contrainte, qu'elle fasse sa prière, même sous la vue des hommes, on va dire. Voilà. L'éventuelle d'entrée des hommes, ça m'allège. Si on voit d'ailleurs nos sœurs qui font la prière ou le tawaf lors du hajj ou de la umra, du pèlerinage ou de la umra, elles font leur prière devant les hommes parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour que les femmes soient séparées. Vraiment séparées des hommes, etc. On peut
comparer son cas avec le cas de ces femmes-là au moment du pèlerinage. Donc il n'y a pas de souci, docteur. Il n'y a pas de souci. Prendre le temps ou pas, oui. Nous avons au bout du fil un appel à Si Abdelaziz de France. Allô? Monsieur Abdelaziz? Allô? Monsieur Abdelaziz de France. Ah, elle est là. Allô? 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 On vous écoute très bien, Si Abdelaziz. Mon Simaok. Allô? Allô, oui. Oui, vous l'êtes en ligne d'être allô? Oui, oui, on vous écoute très bien, M. Abdelaziz. Vous pouvez poser votre question. يا وبصح وجنو فديت ما نقري ما عنديش القانون نفدي ما فديت كامل يا هالطرا الحج نتاعي هذاك الرمي نتاعي يتخمس صحيح ولا مو صحيح نو فديت ماشي فدية هدي باش بلازيز واش درت فدية فدية سي با الفدية سي الهدي الهدي يعني واش درت واش قدمت في الفدية هذه واش كيف افديت الو انا امشي عبد العزيز كيف افديت هل يا ترى ذبح لازم ذبيحة ولا تخلص ال ها ها يسمع الو الو سي عبد العزيز كيف افديت كنت قلت فديت كيما كيما ما رجمت كونفورميمون على الشريعة Allah Ghalib. On va vous répondre dans les deux cas possibles. Puis vous n'avez pas répondu. Ça dit, je vous dis, il ne faut pas dire le fidya. Le fidya. Le hada wajib, tu as quoi le rajm? Le bid al-had, les amis de bah. Ou le khadam la. Ou là, ils sont. Bon, c'est sûr, il est en douche, mathalan, qui fait yidbah. يصوم سبع ايام يصوم ثلاث ايام وسبعه كي يرجع يذبح التمه ويذبح التمه دركا الى ما ذبحش سي نافي با صدير ساكريفي ان اوتر هادي il doit procurer quelqu'un à sa place يذبح في بلاصو تماك لما يروحوا الحجاج يعطي قد يعني ذبيحه à peu près 400 riyals, c'est l'équivalent, 400, on va dire, 450, 420, c'est l'équivalent entre 150 et, on va dire, entre 100 et 150 euros, à peu près. Et il va lui donner un pèlerin de confiance pour qu'il puisse sacrifier là-bas à sa place. C'est-à-dire qu'il va acheter un coupon pour lui, par intention, pour lui. Un ticket, c'est-à-dire. Voilà, un ticket ou là, un coupon. Donc, pour Si Abdelaziz, si vous avez acheté avec le ticket. Ouais, déjà. Ouais, déjà. En 98. Acheté, voilà. Il est qsad. Si vous entendez par fdit, le sacrifice. En plus du sacrifice. Il y en a, ce n'est pas. C'est vous qui allez égorger, mais tu as un ticket, barque, 400 et céréales. Ça y est, Malik Walou. Il fait l'intention. Ton pèlerinage est valide. Voilà. Il a dit, il m'a dit que ma nata al-fidia, il dit que non, لازم تشوف واحد de confiance. Vous lui donnez de l'argent. Vous lui donnez de l'argent. Les nous le had, les amis, qu'on est un Donc, on a répondu. Oui, normalement. Bon, bientôt, il a demandé l'animation. J'allais juste parler, c'est-à-dire pour notre sœur. Prendre le temps pour faire la prière n'a pas besoin vraiment de s'étaler sur tous les c'est-à-dire les choses convenues à la prière pour améliorer en quelque sorte sa récompense. Quand on est dans la contrainte, on peut
se contenter seulement de ce qui est nécessaire dans la prière. Selon les circonstances. Voilà, la Fatiha, une petite sourate, quelques versets. Vous êtes en clinique, elle est en clinique. Voilà. Une inclinaison vraiment courte, brève, et puis des prosternations aussi brèves juste dans le temps. Juste pour accomplir. Au moins dire une invocation, Subhana Rabbi al-Azim, ou la Subhana Rabbi al-A'la, au moins une fois. Voilà. On n'a pas besoin de prendre 10-15 minutes pour accomplir sa prière. Surtout dans ces circonstances. Nous avons du film, c'est Mustapha de France. Monsieur Mustapha, c'est Mustapha, allô? Allô? Allô, oui, Mustapha, marhaba. Il y a un problème. Allô, salam alaikum. Salam, on vous écoute très bien, vous pouvez poser votre question. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Allô? Allô, oui, on vous écoute très bien, monsieur Mustapha. أهلا وسهلا شيخ الله يخليك عندي سؤال بما يخص الزكاة وي ألو وي on vous écoute très bien monsieur Mustapha posez votre question أنا عندي الزكاة بإذن الله نخرجها من كل سنة في الواحد إيه إتني لا تيلي لا يسترك سؤال من يخص الزكاة نخرجها كل عام من من 1 افريل داكور سمعت قال diminuez le son de la télé s'il vous plaît diminuez le son de la télé il y a le retour vous êtes gêné par le retour ouais. Bon. On est parti il faut les alléger il faut les rappeler mais j'ai pourrait être voilà d'accord bon, déjà qu'il y a un élément chaque 1er avril déjà chaque 1er avril normalement on ne doit pas se référer à une date solaire c'est-à-dire du calendrier solaire on doit se référer à une date du calendrier lunaire pourquoi parce qu'il y a une différence de 10 à 11 jours chaque année et au fur et à mesure après des années on peut en quelque sorte négliger la zakat de toute une année. Oui. Si on atteint à peu près une trentaine d'années, qu'on s'acquitte de sa zakat, et on se réfère à une date du calendrier solaire, on peut négliger, on peut délaisser une zakat de toute une année. Alors, il faut se référer à une date du calendrier lunaire. Ou sinon, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le 1er avril, l'année prochaine ça sera moins 10 jours, ça sera on va dire pendant le mois de mars et puis moins c'est 10 pas jours. Évident, voilà. C'est pas évident. Mais c'est pas évident c'est de difficile. Faire le calcul. Il faut se fixer une date, une fête par exemple. Il faut se fixer une date. Ashura, Muharram, ou là pendant Ramadan ou là. Pour se rappeler bien Al Mouloud ou là par exemple. Voilà, très bien. L'Eid, Al Ramadan, Al Ashura pour. Alors, si vous avez plusieurs années comme ça, l'habitude de vous acquitter de votre zakat, ça dépasse peut-être une dizaine ou là une vingtaine d'années, on vous conseille de rajouter une zakat pour, voilà, vous estimez comme ça, une zakat. C'est 0,0, c'est minime. C'est la différence de 10 jours. Ouais. Non, mais au fur et à mesure des années, on la calcule. C'est vraiment petit. Alors, essayez de donner une autre zakat en plus. C'est pour apaiser en quelque sorte votre conscience. La calculer, c'est calculable, estimable. Ouais. Alors, il faut se référer à une date du calendrier lunaire. Ouais. Et Madame Nadia de Tizi Ouzou. Allô? Allô? Madame Nadia de Tizi Ouzou. Elle est partie. Il y a un problème. Qu'elle nous rappelle avec un petit point. Ouais. Bon. Je voudrais faire le Hajj cette année.
mais je suis séparé et on me dit que je dois avoir un guide. Elle est revenue, Nadia? Allô? Allô? Non, non. Soit elle ne nous entend pas, soit... Oui. Allô, oui. Oui. On vous écoute. Vous pouvez poser votre question. On ne peut pas attendre. Non, non, non. Voilà, la question, docteur Djouhri. Je voudrais faire le hajj cette année, mais je suis séparé. On me dit que je dois avoir un guide. C'est pas un guide. Pour partir, mais je n'ai pas de guide. Mais on me dit, comme j'ai 54 ans, je peux aller sans guide. Donnez-moi s'il vous plaît la réponse, car je voudrais me préparer pour partir au mois de juillet. Merci à vous. Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla agré votre action, Inch'Allah. Et puis, par rapport à la loi, même les autorités, c'est-à-dire n'exigent pas ce guide-là à partir de 46 ans, 45-46 ans. Alors, vous êtes, Inch'Allah... Religieusement parlant. Bon, religieusement parlant, c'est acceptable, on va dire, s'il y a une compagnie de confiance. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire votre pèlerinage toute seule. Peut-être vous aurez besoin d'aide, vous aurez besoin Allah Azza wa Jal, peut-être qu'il vous éprouvera peut-être là-bas. Alors vous aurez besoin d'une compagnie quand même qui vous prendra en charge, qui vous aidera. Et s'il y a cette compagnie de confiance où il y a un groupe de femmes avec leur mari ou leur frère, leur père, etc., avec qui vous allez, Inch'Allah, vous regrouper et faire le pèlerinage avec eux, Inch'Allah, ça sera valable, bi'idhnillah azza wa jal. Et vous avez parlé de la séparation par rapport à votre mari. Elle dit que je suis une femme séparée, etc. Là, c'est-à-dire, on a compris qu'il y a vraiment un conflit peut-être entre vous et votre mari. Si ce pèlerinage-là sera avec l'approbation de votre mari, ça sera mieux. Non, séparé, c'est divorcé. Séparé, peut-être divorcé, oui. Divorce, alors, elle divorce. N'aura pas besoin de l'avis de son mari. Très bien. Voilà. De son ex-mari. Oui, Madame Sonia de Constantine. Allô, Khoya, bonjour. Bonjour, marhaba. Salam alaikum. Salam alaikum. J'ai une pharmacie où j'ai un stock de médicaments assez important. Est-ce que les gens qui ont le stock de médicaments, il y a un dit que je possède sa pharmacie? Pour le stock, عندك الحول, عندك le médicament. Oui, je comprends bien. عندك الحول, c'est-à-dire l'année, le jour de tkharji fi zakat, c'est fixé. Alam? عندك le jour fixe où tu as du zakat, où tu es dans le haoul. Non, j'ai dit, mais je sais que c'est un stock que j'utilise, un stock de médicaments, il est en chérie, et que je fais tourner sa pharmacie. Mais donc, est-ce que les zakat actuellement? Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Il est destiné à la vente, bien sûr. Je vous remercie. Voilà, très bien. C'est-à-dire, il y a un petit souci chez beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas que la marchandise ou la somme d'argent n'est pas concernée par l'écoulement d'une année lunaire. Ils se disent que j'ai une marchandise qui est rentrée depuis un mois, alors il faut qu'il y ait écoulement d'une année lunaire pour que je puisse m'en acquitter de ce zakat. Non, ça c'est faux. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'il y a le voilà. jour fixe? Voilà. Alors, l'écoulement de l'année lunaire, c'est par rapport au fait que vous avez atteint le quorum nisab. C'est-à-dire, vous assemblez toutes vos richesses, voilà, que ce soit l'argent, que ce soit les marchandises, etc., les biens, voilà. Et puis, vous regardez, est-ce que vous avez atteint le quorum. Le jour où vous aurez atteint le quorum,
Là, vous allez compter, يعني qui توصل عندك النصاب, هناك وين تاخذ la date. Vous prenez cette date-là comme référence et vous allez compter jusqu'à l'année prochaine. C'est-à-dire, on va donner un petit exemple, 15 du mois de Jumadi l'Oula. Ça sera le 15 du mois de Jumadi l'Oula de 1442 l'année prochaine que vous allez faire l'inventaire de ce que vous possédez en général. Et si vous verrez qu'il s'avère que vous avez atteint aussi le quorum, vous êtes au-dessus du quorum, là vous êtes concerné par la zakat. Et puis comment que vous allez donner cette zakat-là? Vous allez additionner toutes les sommes, toutes les valeurs de marchandises que vous possédez, même que ces sommes-là sont rentrées il y a une semaine, ou là il y a un mois, ou là il y a deux mois, ou là la marchandise aussi. Voilà, c'est la totalité de votre richesse. Et vous allez vous en acquitter de la zakat sur la totalité de votre richesse. Y compris le stock, bien sûr. Et y compris, bien sûr, le stock. Vous roulez cette marchandise-là. Vous l'avez peut-être acquis il y a 4 mois, vous n'allez pas attendre jusqu'à l'année prochaine, écoulement, mais vous allez vous référer à la date où vous avez atteint déjà le quorum, la date d'habitude où vous avez, vous avez l'habitude de vous en acquitter de votre zakat. Très bien, c'est des sétifs. Zahia du sétif, madame Zahia, marhaba. Steve. Allô? Allô? Allô, oui, marhaba. Allô? Allô, on vous entend très bien. On est avec vous. Allô? Allô, oui. Allô? Allez, pas, c'est bon. Salam alaikum, je suis maman de deux enfants, un enfant autiste de 6 ans et la deuxième elle est en suivi 4 ans et j'ai 42 ans et j'étais enceinte de 6 semaines et vu avec mon mari et moi on peut pas le garder puisqu'avant j'avais des grossesses difficiles et en plus j'ai deux enfants qui sont malades. Et mon médecin m'a conseillé que c'est pas bon pour ma santé. Et en plus, une grossesse retardée. Et l'avortement s'est fait à 9 semaines. Ils ont fait l'avortement. Ah, et c'est fait à 9 semaines. S'il vous plaît, me faudrait une réponse au plus tôt possible. Parce que j'ai pas accepté. Ah. Et j'ai regretté. Et je ne sais pas est-ce que c'est haram ou non. Est-ce qu'il y a une kafara? Ma conscience me fait mal. S'il vous plaît, je veux une réponse. Bon, c'est, l'avortement est fait, apparemment. L'avortement déjà est elle fait. Elle n'a pas voulu, mais elle l'a fait à contre-cœur. Avec conseil du médecin. Oui. Là, recommandé par le médecin. La précision est de taille, parce que le médecin, c'est lui qui vous suit, et il vous a conseillé d'avorter, vu votre âge, vu la difficulté de santé que vous vivez à chaque fois, par rapport à vos grossesses, à vos accouchements, etc., eh bien, le médecin a pris la décision de vous avorter ou là de vous donner quelque chose pour il est le mieux placé pour prendre la décision. Et il a pris ses responsabilités. Inch'Allah, je dirais pas qu'il va assumer ses responsabilités auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand même, c'est-à-dire, il est le mieux placé pour donner cette, entre parenthèses, fatwa. C'est une fatwa émise par un médecin qui a vu que votre état de santé n'est pas vraiment adéquat pour continuer cette grossesse. Et normalement, vous devriez accepter cela parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous oblige pas, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut jamais du mal à quelqu'un. Et il nous conseille en quelque sorte de s'éloigner de toute gêne, de s'éloigner de tout malheur, يريد الله بكم اليسر ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ان الله كان بكم رحيما. Voilà, il faut rappeler deux choses, docteur Jolie, si vous permettez bien.
D'abord, c'est la règle qu'on rappelle toujours, tabibuka muftik. Muftik, c'est ça. C'est une règle, tabibuka voilà. Muftik. Très bien. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit d'une grossesse, où il qu'on, est-ce voilà. que la règle, dans l'unanimité des savants, l'homme, hayat l'homme muqaddama ala hayat al-jani. Hayat l'asl muqaddama ala hayat al-fara. La vie de la mère. La primauté à la vie de la mère. Donc, c'est, vous n'avez pas à vous faire des soucis. Voilà. C'est ce qu'il faut. Mais avec la kfara, là. Voilà, très bien. D'accord. Et puis, la kfara, du moment que c'est 9 semaines, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint en quelque sorte les 4 mois. N'a pas insufflé alors, l'âme. L'âme n'est pas insufflée. Alors, il n'y a pas de kfara, inshallah. Il faut seulement se convaincre que vous n'avez pas commis de péché. Jamais. Voilà. Vous avez obéi à l'avis du médecin qui a une certaine connaissance par rapport à votre cas. Alors, il a pris cette décision-là. Vous avez obéi et vous n'avez rien à vous reprocher, inchallah. Vous devez obéir. Et vous devez obéir. Parce que parfois, si cette grossesse-là continue, peut-être qu'elle vous causera des problèmes énormes de santé qui vont peut-être aller même jusqu'à la mort. Docteur Jolie, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Yeah.
محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bon, mon problème, je suis marié depuis 26 ans, j'ai 3 garçons, alhamdoulilah. Mon mari est violent verbalement depuis toujours, il boit de l'alcool, même sans alcool, c'est un grand nerveux. Mais aujourd'hui, je ne le supporte plus, mes enfants non plus. Il est très vulgaire et insultant. Gros mots, blasphème sur Allah, et j'en passe des humiliations. C'est blessant pour plus que les coups. Elle n'est plus que l'époux. Du coup, je pense que je suis arrivé à un point où je n'en peux plus. Je suis musulman, pratiquante algérienne, née en France, alhamdoulilah. Lui, il prie depuis peu, il prie, mais il fait que salat sobh et dor, et plus rien, il continue à boire, astaghfirullah. Il n'a jamais contribué à son devoir de mari, père, il n'a jamais travaillé, il ne veut pas travailler. Il m'a vidé les comptes bancaires. C'est moi qui travaille, qui gère, qui a élevé mes enfants. Alhamdulillah, éduqué dedans et dehors. Aujourd'hui, je suis arrivé à un point où je ne peux plus. Bon. Une grande cause, hein? Quand même. Hein? Un peu plus supporté. C'est invivable. La communication ne sert à rien. Il va se calmer une semaine et reprendre ses mauvaises habitudes. Je l'ai aidé financièrement à construire une maison en Algérie. Mais aujourd'hui, toute sa famille est héritière, puisque le terrain était à son père. Donc, je n'ai rien et je ne veux rien. C'est insupportable. Je survis. Je ne vis plus. Je ne vis plus. J'envisage le divorce. Que puis-je faire? Voilà. Alors, vous allez faire une procédure de divorce du moment que vous êtes persuadé que la vie... D'après le tableau dressé. Voilà. D'après ce tableau dressé. Il y avait beaucoup de choix dans votre vie qui étaient faussés par... au début, on va dire. C'est-à-dire, vous avez accepté quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un de violent, quelqu'un qui boit, etc. Normalement, vous devriez prendre cette décision il y a... plusieurs années. Et l'assumer. Voilà. Mais du moment que, voilà, après l'âge, après que vos enfants ont grandi, vous n'avez plus la capacité à encaisser, on va dire. Parce que dans un couple, même dans d'autres relations, on essaye d'encaisser, on essaye de tourner les pages, on essaye de continuer. C'est ça la vie. Mais quand même, si vous arrivez à vous convaincre que ce n'est plus vivable avec ce mari-là, vous avez tout le droit de demander le divorce. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a accepté qu'une femme vienne auprès de lui pour demander qu'elle se débarrasse de son mari parce qu'elle n'en peut plus vivre avec lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné à son mari de la répudier et de la divorcer devant lui. C'est une histoire très connue dans la sunna. La femme de Thabit ibn Qais qui est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander le khula. Et puis s'il y a c'est-à-dire cette situation-là invivable, c'est un alibi, c'est une excuse pour demander autant, c'est-à-dire ce divorce-là. Et il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous parle d'une femme qui demande le divorce sans qu'il y ait vraiment des circonstances aggravées pour qu'elle demande peut-être ce divorce-là. Là, peut-être, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme s'il a donné un conseil que la femme essaye, ou l'épouse essaye de continuer à endurer un petit peu. Sinon, peut-être elle aura un châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui demande le divorce. Ayyuma mara'atin talabat at-talaqa min zawjiha min ghayri ma ba'sin lam tarih ra'ihat al-jannah. Mais là, il faut se préciser, il faut se focaliser beaucoup plus sur
ce morceau-là du propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « min ghayri ma ba'sin », c'est-à-dire sans excuse valable, sans qu'il y ait... Non justifié. Voilà, c'est un divorce peut-être qui n'est pas justifié. Mais dans ces circonstances-là, il est millement justifié, je dirais, vu la conduite du mari, vu, c'est-à-dire, sa emprise, hein, en charge de sa famille, vu qu'il est vulgaire, vu qu'il est agressif, etc. Il y a mille excuses valables pour demander ce divorce. C'est son droit absolu. C'est son droit absolu, et elle n'a pas à s'en faire du souci qu'elle commence à faire les procédures pour vivre en paix, on va dire. Surtout à la lumière des finalités de la prescription du mariage en islam, Sakina, Al-Mawda, Al-Rahma, etc. Donc c'est un mariage qui n'a plus de raison d'être. De continuer. De continuer, voilà. Ah, oui, bien sûr. De continuer. Ouais. Enfin. Et nous avons au bout du fil Madame Aïcha de Cannes. Allô? Allô? Madame Aïcha de Cannes, oui. Allô. Allô, oui, on vous écoute très bien. Allô. Oui. Allô. Allô, oui, on vous écoute très bien. Il y a un problème... De ligne. Un problème sur la ligne. Quelque part, je ne sais pas. Ouais. Bon, on va continuer les... Sinon, vous leur demandez de poser directement leurs questions. Voilà, quand ils leur parlent mais en régie. Ils ne pas. C'est-à-dire qu'ils posent directement leur question. D'accord. Ils vous ont entendu. Ma sœur âgée de 44 ans, oui. Avec des papiers français, un jeune homme, il s'est rapproché d'elle. D'elle, ils lui ont demandé sa main pour le mariage halal. Oui. Sachant que ce jeune homme, il a 37 ans, diplômé d'un master universitaire, alors que nous, la famille de la fille, on n'est pas vraiment d'accord pour ça, mais ma sœur, elle insiste là-dessus pour qu'elle se marie avec lui. Nous en avons eu l'impression que ce monsieur, il a l'intention pour avoir seulement les papiers. Ah, les intentions, c'est... Vu la différence d'âge, et combien? Surtout le niveau d'études, alors que ma sœur, elle a un niveau de 9e année. Ouais. Et la sœur de 44 ans. Mais lui, il a 37 ans. Mais c'est pas une grande différence d'âge, quand même. Qu'est-ce que vous pensez, s'il vous plaît, et c'est quoi votre conseil pour elle? Si ma question passe, je lui demanderai d'écouter, comme ça elle sera convaincue. Barakallahu fikoum, sinon pour la rediffusion demain. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, une femme qui a 44 ans, qui veut se marier, l'occasion se présente, il y a un homme cultivé, Laiber, qui justement est diplômé, mais quand même, il a 37 ans, c'est-à-dire ce n'est pas un jeune homme de 20 ans ou là de 25 ans. Quand même, 37 et 44 ans, c'est pas une grande différence d'âge. Et puis, si on vit comme ça seulement, ça a jugé les intentions des gens, peut-être que vous êtes dans l'erreur. Hein? Vous, qui jugez cet homme-là, qu'il a peut-être seulement l'intention d'avoir ses papiers, peut-être que vous qui êtes êtes dans l'erreur. Moi, le conseil que je donne, laissez votre sœur faire sa vie à l'âge de 44 ans. Elle en a besoin de bâtir un foyer, de continuer sa vie aux côtés d'un mari. Et peut-être, elle aura peut-être un enfant ou deux. Selon Allah Azza wa Jalla. Allah subhanallah. Même qu'elle est proche, peut-être, elle est proche de la ménopause, mais parfois il y a des mariages aussi qui réussissent, même sans avoir d'enfants. Hein. Il y a des mariages qui réussissent comme ça, alhamdoulilah, il y a de l'affection, il y a de l'amour entre les deux époux, ils continuent à vivre ensemble. Ce n'est pas obligatoire d'avoir, on a des idées, on a des coutumes, on a des, vous savez, c'est-à-dire, qui nous accable.
pour mieux goûter à la vie. Un couple qui n'a pas d'enfants, si tu les vois, ils sont toujours malheureux. Mais quand même, il y a cette affection, il y a cette compagnie, il y a de l'amour entre les deux époux, etc. Il faut estimer cette valeur aussi. Bon, 37 ans, je ne vois pas, voilà, qu'il y a un grand écart dans l'âge. Voilà. Mais sinon, on ne peut pas juger jusqu'à ce que cette chose-là s'avère qu'elle est, c'est-à-dire, juste ou là. Ouais. Laissez-les d'abord. Si il s'avère que ce n'est que pour les papiers, elle peut se divorcer ou là. Ah. Là. Et après. Non, mais en tant que tuteur. Ah, il a le droit de. Mais on, de voir. On dit ça. Il y a des indices pour lui. Mais on dit ça à une femme peut-être de 20 ans, de 22 ans, 23 ans. Pas une femme de 44 ans qui vit en France, peut-être qui a un travail et qui a des obligations, même, c'est-à-dire sociales, en dehors du foyer, etc. Là, on sous-estime en quelque sorte sa façon de penser peut-être. Laissez-la prendre sa vie en charge. Elle a 44 ans, elle est assez majeure pour prendre une décision qui la convient. C'est mon avis. Voilà. Très bien. Ouais. Justement, docteur Douhri, la question revient souvent. On nous pose cette question. C'est par rapport au mariage. Ce n'est pas mariage muta, les haram c'est connu, mais le mariage avec l'intention de divorcer. Zawaju bi niyat at-talaq. Mahouch muta, lakin pour faire des papiers. Par rapport à la validité de ce mariage. Non, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une divergence là-dessus. Hein? Non, c'est auprès d'Allah azza wa jal, c'est pas un mariage valable. Hein? Aux yeux de la loi, devant les gens, peut-être qu'il sera valide, bien sûr, s'il y a inscription de ce mariage-là. Les piliers sont là. Voilà, tous les piliers sont rassemblés. Oui. Voilà, existants. Mais vu l'intention d'un des deux, c'est lui qui va endosser cette responsabilité-là auprès d'Allah. C'est-à-dire, un des deux elle a peut-être l'intention, si sinon les deux, hein, si c'est pas les deux. Hein, parce que parfois, il y a un compromis, il y a un accord entre deux personnes pour se marier, ce qu'on appelle le mariage à blanc, etc., ça, c'est une ruse, c'est-à-dire aux yeux de la loi, mais aussi aux yeux de la sharia auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il y a en quelque sorte intention qui n'est pas partagée, une intention qui n'est pas partagée par les deux époux, l'épouse, elle a son intention de bâtir un foyer, etc. Et puis l'époux, c'est, par exemple, l'époux a cette intention-là enfouie. Dans son intérieur, au sein de son cœur, de faire un mariage avec l'intention de divorcer après, bien sûr après avoir obtenu ses papiers. Pour cette épouse-là, le mariage est valable. Elle va pas endosser de responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va même être récompensée par Allah azza wa jal parce que le mariage est récompensé. C'est une action noble qu'on fait dans la vie, il a une récompense. Mais l'époux qui a une mauvaise intention, il endossera une grande responsabilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour lui, ce mariage-là n'est pas valable. Pour l'épouse, il est valable. Pour lui, il n'est pas valable. Mais ça ressort de ce qui va se passer à l'au-delà, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par rapport à ce qui est... Il y a l'expression mchoura, c'est le juriste consulte, tasihu qada'an wa ya'thamu diyanatan. Hada huwa. L'ithm. ما عندوش علاقة بصحة العقل. يعني العقل صحيح. lorsqu'on parle de la validité de l'acte هذايا معناها آثاره ما يترتب نسب
الميراث وي. باكدك باك دخلنا بأنه هذا عقد صحيح قضاء يترتب عليه يترتب الاثار بارابور النسب للطفل لا فيليياسيون بارابور لليتاج بارابور لليتاج يترتب عليه فوالا alors il est considéré c'est-à-dire pris en considération par entre parenthèses les juristes on va dire par la justice par la loi. Mais ce qui ressort, est-ce qu'il y a un châtiment ou là une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est par rapport à l'intention. L'intention de chacun. S'il y a une double intention partagée, ils auront le châtiment, les deux. Mais s'il y a une intention qui n'est pas partagée, elle est liée seulement à l'un des deux, ou l'une des deux parties, l'un des deux époux. Le premier qui a une bonne intention, celui qui a une bonne intention aura la récompense, et celui qui a une mauvaise intention aura le châtiment. Mais par rapport à la validité de l'acte, l'acte est valide. Et s'il y a des enfants générés par c'est-à-dire après cet acte-là, ils sont des enfants légitimes. Mais est-ce qu'on... Et si l'un des deux meurt, il y a le droit à l'héritage aussi. À l'héritage pendant la vie de lui, bien sûr. C'est par rapport à la loi. Par rapport à la loi. Donc, tout si vous donnez des conseils pour nos frères et nos sœurs là-bas, par rapport au problème, à chaque fois qu'ils donnent des questions, on a une image par rapport à un tableau. Par rapport aux problèmes qui sont fréquents dans le siècle courbat, comment gérer cet aspect? On conseille tout le monde, on conseille tout le monde d'être sincère. La sincérité. C'est la sincérité par rapport à Allah Azza wa Jal, la sincérité par rapport à l'autre, la sincérité par rapport même à la loi. Et la conformité. Et la conformité. Bien sûr, c'est ça. Si on est sincère par rapport à une loi, même qu'elle est, c'est-à-dire, on la qualifie qu'elle n'est pas peut-être une loi, soi-disant, issue des sources de l'islam, etc. Mais quand même, on doit la respecter. Du moment qu'on est citoyen ou là, on envisage de devenir citoyen, voilà, il faut suivre toutes les démarches conformément à la loi. Parce que cette loi-là, c'est un contrat entre vous et cet État-là qui vous a accueilli ou là qui vous a rendu citoyen après un certain moment, des certaines étapes, etc. Il faut être sincère. Nous, les musulmans, on n'atteint pas les buts par des chemins qui ne sont pas sincères. Voilà. Les fins ne justifient pas les moyens. Merci, docteur Djouhri, pour votre éclairage si précieux. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, dumtum fi ra'ayat Allah wa hifdhih. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. ثبتني على هذا الدين.